take it. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Tuto Facile France. Donc aujourd'hui on se retrouve en direct avec un commentary aussi en direct pour vous présenter un petit easter egg, puisque les autres easter eggs j'avais fait le commentary après au montage. Et donc là, vu que c'est un petit easter egg qui prend un petit moment, et bien je vais vous le montrer en entier et puis avec le commentaire en direct. Donc déjà pour cet easter egg, il faudra d'abord vous, si vous voulez pouvoir le faire, il faudra vous rendre à cet endroit là de la carte, c'est à dire que il faudra compléter la première carte, ensuite aller dans le secteur 0 et à un moment, juste après le dernier épisode, mon épisode 9, où vous devez venir à cette tour justement. Eh bien, on va vous demander de repartir dans l'autre sens, sauf si vous allez là, et eh bien vous allez pouvoir tomber sur un petit easter egg vraiment très sympa aussi, un peu à la Mario, comme celui que j'avais pu vous présenter pour Mario. Bien là, c'est un easter egg Plant vs Zombie, donc j'imagine que beaucoup de gens ne connaissent pas forcément, mais c'est une petite application pour mobile, donc il y a peut-être une version PC, mais je suis pas sûr à 100%, j'avoue que c'est pas trop mon style de jeu non plus. Et donc voilà, il y a un petit easter egg Plant vs Zombie, et le but du petit jeu en fait c'est vous avez un jardin je crois en gros, et vous avez des zombies qui viennent bouffer les plantes, et il faut placer des plantes qui vont attaquer les zombies pour empêcher que les zombies viennent jusqu'à la maison. Donc voilà, il va falloir vous rendre ici à cette petite fleur. Et ça va nous emmener dans un easter egg. Donc vous pouvez voir la maison, le jardin avec les plantes et les zombies qui viennent attaquer. Donc on va aller attaquer les zombies. Partout là. Est-ce que je dois augmenter? Maîtrise du bouclier. Artisan, apprenez à mieux utiliser les plans d'armes. Apprenez à mieux utiliser les plans d'armes. Ceux qui ont plus des coups critiques. Main à droite. Ok. Grenade maison. Ok, apprenez à utiliser les voitures explosives piégées. Bon, ça pourra peut-être servir. Ensuite, agilité. Régénération, santé 2. Ouh, ça je veux. Ensuite, les armes. Ça pourra me servir. Alors, élimination. Ouais, piétinement. Enclume. Moulin avant. Ok, on va faire ça comme ça. C'est quoi déjà qu'il faut faire? Déjà ça c'est déjà pas mal.
y est. Un autre là-bas. Je fais des pompes. T'as un peu de mal avec tes pompes, hein. Wow, des casques bleus maintenant. Ah, je peux plus. Voilà. Qui pourrait être mieux que ces hachettes. Bien mal. Viens par là. Excellent. Ils sont très hypés là. C'est un petit zombie. Tiens. Là, si j'étais tous comme ça dans le jeu, il serait pas très dangereux. Hein. J'aurais juste allé leur marcher dessus. Voilà. Les autres amateurs. Là-bas. Des petits nounours. Allez. Putain, ça fait des dégâts, ça. Alors.
toi. Terminé. Il y a d'autres amateurs. Ça y est, vous êtes tous morts. Aïe. Bon alors. Donc voilà le petit easter egg plante vicis zombie. Après bon, je vois que j'ai pas été spécialement regarder de vidéo. Je sais qu'il y a peut-être un. Enfin j'ai vu qu'il y avait des plans à récupérer pour pas mal de d'easter egg. Comme l'easter egg Mario, il y avait un plan caché dans le truc de Mario. Par contre je sais pas du tout où c'est. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. C'est que si je rentre dans la maison, je ressors du truc, c'est tout ce que je sais. Parce que je l'ai fait déjà une fois. Bon bah écoutez, hein, je vois pas de... Je vois pas ce qu'on pourrait faire de plus à part ramasser tous les paquets qui traînent. Putain, il y en a plein des paquets, dis donc. Putain, j'ai l'impression de ramasser les merdes de mon chien au jardin, quoi. Bon, écoutez, je sais pas trop où c'est, ce qu'il faut faire. Au pire, j'imagine que ça vous intéresse quand même, pour ceux qui regarderaient, de savoir où on peut trouver ce plan, ou ce qu'il faut faire pour avoir ce plan, s'il y a un plan. Et bah, au pire, j'irai regarder, j'essaierai de me renseigner un petit peu et je vous mettrai tout simplement le tuto écrit dans la description dès que je l'aurai, dès que je serai tombé dessus. Donc voilà, bon, je vais finir de ramasser les petits sacs, je veux dire les petites merdes de mon chien. Et je vais vous laisser donc là-dessus. Hein. Donc j'espère que ce petit easter egg sur Dying Light, Plant vs Zombie, vous aura plu. Puis de le découvrir en ma compagnie aussi, pourquoi pas. Et sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!